Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Derrière moi, vous pouvez visualiser la Diagonale des Fous, mon reportage 2018. J'ai fini de justesse cette diagonale, puisque je l'ai fait en 63 heures. Je l'ai fait deux fois de deux années consécutives, 2017 et 2018. Suite à ce reportage, vous avez été nombreux à me demander des conseils. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo avec en fond, justement, mon reportage, pour vous permettre d'apporter des réponses à toutes vos questions et peut-être des éléments complémentaires qui pourront vous être utiles pour cette année ou l'année suivante. Donc maintenant, laissons place à cette vidéo. Dès votre arrivée à l'aéroport, il y a un pot d'accueil. Je vous conseille vivement d'y aller, c'est l'occasion de discuter avec les autres coureurs, l'office de tourisme et les membres de l'organisation. Pour ma part, j'ai été accueilli par Robert Chicot, président, secrétaire général adjoint et responsable des relations partenaires. C'est très rare d'être accueilli de cette façon sur les événements et en plus on repart avec des cadeaux. Donc n'hésitez pas à y aller. La veille de course, c'est le retrait des dossards. Ensuite, n'oubliez pas d'aller au village partenaire. Même s'il y a beaucoup de monde, votre patience sera récompensée par un sac rempli de cadeaux. Chose très rare aussi que l'on ne voit pas sur d'autres événements. Donc bravo le Grand Raid pour ce village partenaire. Le jour J, vous pourrez déposer 3 sacs d'assistance pour les points suivants Sillaos, Ilha Savana qui se situe juste après Sans Souci et l'arrivée à Saint-Denis au stade de la Redoute. Ensuite, il y a le contrôle du matériel obligatoire. Tout est contrôlé de A à Z, donc je vous conseille vraiment de refaire un check de votre liste avant de vous rendre sur le départ. Donc ensuite, vous irez vous asseoir ou vous allonger dans l'herbe ou dans la terre pour attendre le fameux départ. Et pour patienter, parce que l'attente peut être longue, il y a des toilettes et il y a de quoi se restaurer également. Bon, ne vous attendez pas à un repas de luxe, hein, c'est juste des biscuits, des bananes et des petits sandwichs, il me semble. Les élites iront d'abord sur la ligne de départ et ensuite viendront à l'aide d'une barrière de bénévoles tout le reste des concurrents sur la ligne de départ. Comme chaque départ, on a tendance à partir trop vite. Et là, sur la Diagonale des Fous, c'est encore le cas le plus souvent, puisqu'on part sur 165 km, mais les 5 premiers kilomètres sont hyper roulants. Et en plus, il y a l'ambiance tout le long de ces 5 km, où il va y avoir des spectateurs tout le temps sur le côté à vous applaudir, il y a des concerts, il y a le feu d'artifice. Enfin, le départ est juste magique, c'est le plus beau départ de toutes les courses que j'ai pu faire jusque-là. C'est ce qui me fait revenir à chaque fois sur cette Diagonale des Fous. Vous verrez, c'est magique, mais il ne faut pas se laisser embarquer par le mouvement. À partir du 7e kilomètre, il y a un point d'eau. Personnellement, je m'y arrête pas, j'en vois pas l'utilité. Donc, à partir de là, on commence la montée vers Domaine Vido. Donc là, je vais vous mettre à chaque point de contrôle mes temps de passage, qui vous permettra de vous situer par rapport à moi, sachant que j'ai fait beaucoup d'arrêts vidéo. Je suis parti avec les élites à Domaine Vido, je suis arrivé 1900e. Domaine Vido, j'arrive à minuit 8, soit 2h08 de temps de course. À Domaine Vido, le ravitaillement est surchauffé, il est fermé. Et du coup, la première année que j'ai participé, je suis resté à ce ravitaillement juste pour manger deux oranges et remplir mes bouteilles d'eau. Et j'ai attrapé un coup de chaud-froid et j'ai eu une belle gastro 2 km plus loin. Et je ne m'en suis pas remis avant le 40e kilomètre. Donc la deuxième année où j'ai participé, je ne me suis pas arrêté à ce ravitaillement et je vous le conseille d'ailleurs, c'est de tracer direct à la sortie. Et à votre sortie de ce ravito, il y a des fontaines, il y a de l'eau pour remplir sa gourde, des robinets à l'extérieur. Donc remplissez vos gourdes là et continuez après sans vous arrêter à ce ravitaillement. Après le domaine Vido, il y a un bouchon qui se crée, mais qui a été largement amélioré par les organisateurs via un changement de chemin, je pense. La première année, j'ai eu 2 heures de bouchon cumulé sur cette portion. Et cette année, en 2018, j'ai eu 45 minutes grand max
mais par petite portion, c'était 15 minutes, 15 minutes et 15 minutes. Donc ça a été très bien réduit et ça passe bien. Donc bravo aux organisateurs pour ce changement. Et pour moi, c'était très agréable par rapport à la première année. Alors là, il ne faut pas se dire je vais courir comme un dingue sur les 16 premiers kilomètres. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous aurez quand même un peu de bouchon. Mais la course ne se fait pas dans cette portion. Donc vous allez vous griller et sachez qu'il y a quand même 165 km à faire. Donc si vous courez vite sur les 16 premiers kilomètres juste pour éviter les bouchons et puis après vous serez KO, ça c'est inutile je pense. Kilomètre 32 Notre-Dame de la Paix, j'arrive à 3h29, soit un temps de course de 5h29. À ce ravitaillement, je me suis reposé 15 à 20 minutes. Ensuite, j'ai repris ma course. La première année, j'ai eu chaud sur cette première partie. Et l'année dernière, j'ai eu très froid. Il a fallu que je mette toutes mes couches. Donc, regardez bien les températures qu'il va faire sur la course. Et couvrez-vous bien parce que j'ai vraiment souffert du froid en 2018 sur cette première partie. Belvédère, Nez de Bœuf, kilomètre 39. J'arrive à 7h41, temps de course 9h41. Donc à ce ravito, je vous conseille de bien vous ravitailler. Il va y avoir que de la descente jusqu'au prochain ravito où ce sera où il y aura le premier plat consistant. Marabout, j'arrive à 9h35, temps de course 11h35. Je suis à 2h10 de la barrière horaire. Donc ici, vous pourrez manger un plat de pâtes avec du poulet. Donc un repas consistant que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, vous repartirez pour une bonne ascension pour aller au coteau de Carvegen. Le sentier est très technique. Il y a beaucoup de branches, de boue. Ça glisse pas mal. Donc il faut être vachement vigilant. Et il y a aussi quand même pas mal de cailloux. Bon, c'est pas ici que vous allez faire un chrono, quoi. Pensez aussi à bien boire, vous poser et pour repartir plus fort, mais ne pas penser à l'abandon. Cette partie est très difficile et a tendance à couper les pattes. Après le coteau Carvegen, on attaquera la descente vers Sillaos. Cette descente est très dangereuse, elle est très raide. Elle est glissante, il y a encore des branches, il y a des escaliers, des câbles pour nous aider. Il faut faire hyper attention, il y a eu un mort une année. L'année en 2018, quand j'y suis allé, il y en a un qui est tombé. Je suis passé à côté, il avait le visage en sang, je pense qu'il a abandonné. Enfin, il faut être hyper vigilant, ça ne sert à rien de se faire mal. C'est la partie la plus dangereuse de cette diagonale des fous. Vu de ma manière, je pense que c'est la plus dangereuse. Donc cette descente, soyez très prudent et ensuite vous pourrez courir en bas si vous le souhaitez. En bas de la descente, il y a le ravitaillement Mara Joseph et ensuite vous direction Sillaos. Sillaos, j'arrive à 15h24, temps de course 17h24 et j'ai 2h20 d'avance sur la barrière horaire, donc je suis plutôt bien. À ce ravitaillement, vous pourrez vous faire masser et il y a aussi votre sac d'assistance qui vous attend et un bon repas aussi, comme à son habitude, pâtes, poulet, c'est très agréable. À Sillaos, il y a énormément d'abandons à chaque fois, c'est tout simplement la montée plus la descente, on a dégoûté pas mal et ils sont à bout de force et en gros, il ne faut pas se poser de questions à ce ravitaillement. Après votre repas, vous allez repartir un peu en boitant, mais vous allez retrouver des forces et vous irez mieux après. Donc il faut repartir, c'est tout est dans le mental. N'abandonnez pas à Sillaos. Continuez le chemin, vous verrez, après ça ira mieux. Il y a des moments de bas, il y a des moments de haut, mais tout ira bien, vous verrez. Jusqu'au prochain ravitaillement, la montée est plutôt facile, enfin la descente et la montée. Et enfin, quand je dis facile, ça veut dire que c'est pas trop technique. On se pose pas trop de questions ou poser nos pieds. Je trouve que c'est correct, le sentier est correct.
début Taibit, j'arrive à 18h07, temps de course 20h07. J'ai 2h10 d'avance sur la barrière horaire. Dans la montée entre le Taibit et le Ravito qu'on vient de passer, il y a un petit endroit où on vous offre du thé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bah, c'est très agréable, moi je ne bois pas de thé, mais tous les coureurs étaient très ravis d'avoir ce petit passage. Moi personnellement, je ne m'y arrête pas, mais c'est toujours agréable de voir des personnes souriantes vous offrant quelque chose à boire quand c'est pas prévu. Si comme moi vous passez cette montée de nuit, vous verrez des coureurs allongés, donc ils tombent un peu du nez, préfèrent ne pas se mettre en danger et s'assoupirent 10 minutes. Pour repartir moins fatigué, c'est ce que je fais également en général, donc n'hésitez pas à le faire. Au lieu de tomber dans un fossé, c'est inutile quoi. Vous vous reposez 10 minutes, vous vous endormez un peu et c'est tout bon. Marla, il est 21h21, j'ai mis 23h21 de temps de course. Je garde toujours mes 2h10 d'avance sur mes barrières horaires. À ce ravitaillement, je trouvais qu'il faisait très froid. Beaucoup de coureurs se sont allongés pour dormir. Mais personnellement, je trouve qu'il faisait moins froid sur les sentiers à dormir que dans ce ravitaillement. Je vous conseille quand même de bien vous ravitailler pour repartir, mais de ne pas vous endormir forcément à cet endroit où vous pourriez avoir très froid, justement. Enfin, c'est toujours pareil, hein, si vous y passez de nuit. Parce que de jour, évidemment, je pense que c'est différent. La température n'est pas pareille. Donc voilà, mes conseils sont valables pour ceux qui feront les mêmes temps de course que moi. Plaine des Merles, je n'ai pas mes temps de passage, mais Plaine des Merles et Sentier Scooch sont situés à 2 km de distance. Sachez que le ravito Plaine des Merles dispose de nourriture, on va dire, solide. Donc en fait, il faut vous ravitailler à Plaine des Merles. Sentier Scooch, c'est un point de contrôle 2 km plus loin que je n'ai pas filmé. Et j'y suis arrivé en sentier scout à 1h21 et j'avais 27h21 de temps de course. À sentier scout, j'étais à 1h40 de la barrière horaire, donc j'avais perdu 30 minutes. De sentier scout à Illéa-Bourse, on pense que c'est que de la descente. Or, il y a une petite montée qui fait un peu mal, elle est très courte, elle fait un peu mal. Ensuite, c'est que de la descente. Par contre, la barrière horaire, je pense qu'elle est très mal calculée. Parce que je ne me suis pas endormi de tout ce trajet de sentier scout à Illéa-Bourse. Pareil en 2017. Et j'ai perdu toute mon avance que j'avais sur les barrières horaires. Donc, sachez qu'elle est mal calculée. Je vous déconseille de vous endormir avant Illéa-Bourse. Illéa-Bourse, on pense que c'est en bas de la descente. Sauf que quand vous passerez la passerelle en bas de cette descente, justement, eh ben, vous avez une très belle montée avant d'arriver à Illéa-Bourse. Et celle-là, il ne faut pas la négliger, parce que si vous êtes limite, sachez que vous n'êtes pas arrivé au ravitaillement. Illéa-Bourse, j'arrive à 4h36 du matin, et j'ai mis 30h36 en temps de course. Maintenant, je passe à 40 minutes de la barrière horaire. Donc c'est très limite, alors que je n'ai pas traîné sur cette partie. Ensuite, je vous conseille de tracer directement à Grand Place les Bas Écoles, qui est situé à 3,3 km plus loin. Là, vous pourrez vous reposer justement. Grand Place les Écoles, j'arrive à 5h50, temps de course 31h50. Je reste à 40 minutes, encore une fois, de la barrière horaire. Et à ce ravito, je vais m'endormir au moins 30 minutes. Ensuite, direction Roche-Plate, où on va faire une montée, une descente et une montée. Le paysage est juste magnifique, j'adore, et la montée quand même difficile. Donc Roche-Plate, arrivée 10h40, temps de course 36h40, je suis à 20 minutes de la barrière horaire. Ensuite, je vais continuer un peu vers une petite rivière pour faire une sieste de 15 minutes et repartir. Arrivé au sommet de Maïdo, il y a plein de personnes qui sont là pour vous soutenir ou vous encourager. Donc c'est vraiment cool. Et sachez que quand vous êtes au sommet, ce n'est pas encore le ravito, il faut encore faire 20 minutes et vous arriverez au ravito. J'arrive au ravito à 15h04, temps de course 41h04. Je m'endormais dans la montée, alors vu que j'ai 25 minutes d'avance sur la barrière horaire, je me suis endormi 25 minutes et je suis reparti.
Alors, changement pour cette année 2019, hein, puisque le ravito École sans souci est apparemment en travaux, il me semble, de ce que j'ai lu. Et ils l'ont déplacé vers les galets qui sont un peu plus bas. Donc le ravito est un peu plus loin, mais la barrière horaire n'a pas été décalée. Donc faites attention à ça pour ceux qui seront limite. Donc à École sans souci, j'étais arrivé à 19h pour un temps de course de 45 heures. J'avais donc 45 minutes d'avance sur la barrière horaire. Ensuite, en bas, il y aura donc la rivière de Galet où il faudra faire du saut de mouton pour passer de roche en roche et pas avoir les pieds dans l'eau. Et justement, cette partie, ben, des fois, on se retrouve les pieds dans l'eau. Chemin Ratineau, j'arrive à 23h24. J'en suis à temps de course de 49h24. J'ai 50 minutes d'avance sur la barrière horaire. Alors j'aime beaucoup ce ravitaillement parce que je savais, il y avait des saucisses merguez qui nous attendent avec du pain. Et ben, c'est des petits plus qui nous motivent à aller jusqu'à ce ravitaillement. Et je savais que ça m'attendait, alors du coup j'y suis vite allé pour manger justement un bon sandwich avant de repartir. Alors la prochaine portion, elle n'est pas simple puisqu'elle est plutôt technique, je dirais. Et ensuite, il y a quand même une portion assez roulante pour finir sur du technique. Enfin, elle est très longue, cette prochaine portion. Donc, n'hésitez pas à prendre beaucoup d'eau. Possession école. J'arrive à 3h05, temps de course 53h05. J'ai 25 minutes d'avance sur la barre horaire parce que je crois que je me suis reposé encore 10 minutes au bord du sentier. Ensuite arrive le fameux chemin des Anglais. Alors cette portion elle est pas très aimée et pourtant moi je l'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'on passe de galet à galet, mais sauf en descente où vraiment ça m'a tiré le genou. Mais personnellement moi j'aime bien. C'est une portion qui passe bien de nuit je trouve. Ensuite vous arriverez à Grande Chaloupe. J'y suis arrivé à 6h19, temps de course 56h19. J'ai 55 minutes d'avance sur la barrière horaire. Après, on repart sur le même style de chemin en montée, mais on sait que la diagonale, elle est finie, hein, ça sera réussi, il faut juste ne pas se blesser. Donc maintenant, vous faites la montée tranquillement, sans stresser par le chrono. Moi, je me suis arrêté pas mal de fois pour discuter avec les bénévoles, tout ça. J'ai fait pas mal de prises vidéo. Cette portion, après, vous savez qu'elle est finie. Vous la faites tranquillement, sans forcer, et vous arriverez à la fin. Donc justement, cette dernière montée vous amènera au Colorado. J'y suis arrivé à 10h50 pour un temps de course à 60h50. Et j'ai 2h20 d'avance sur la barrière horaire. Donc vous voyez que vous avez largement le temps, même de dormir un peu, si vraiment vous êtes fatigué, pour repartir. Et enfin, la dernière descente qui est très technique, elle n'est pas longue puisqu'elle fait 4 700 km, mais elle fait mal aux cuisses. Et en plus, moi, je l'ai eu sous la pluie et ça s'est fini avec le soleil. Et après, vous aurez une belle arrivée à la Redoute, au stade de la Redoute. Et franchement, c'est juste énorme. Et rien que pour ça, il faut pas lâcher, il faut avoir le mental. Et n'oubliez pas, le plaisir avant tout. Il y a ceux qui cherchent le chrono. Moi, personnellement, je ne cherche pas le chrono, vous l'avez vu. Le plaisir, c'est de faire des reportages, que vous aimiez mes vidéos parce que j'en vis. C'est mon travail professionnel et je prends du plaisir à le faire. J'aime la trail, le trek, la course à pied, la marche. Je le fais à ma manière. Mon plaisir, c'est de passer les barrières horaires, profiter du paysage et de ne pas regarder non plus le chrono, sauf pour les barrières horaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé au niveau conseils. C'est des conseils de débutants qui ne s'adressent pas forcément aux professionnels parce que je ne suis pas un professionnel. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et à bientôt pour de nouvelles aventures.